Vendredi 22 décembre 2017, voici les titres de ce journal. Les plaisirs d'hiver de retour à Bruxelles. Une interview avec l'animateur JP de la MGA pour son nouvel atelier. Une interview exclusive avec un ancien président américain. Et nous terminerons par la météo du jour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal de 20h. Notre équipe journal télévisée a interviewé JP, animateur de la maison du quartier, le pavillon et la MJA pour parler de son projet avec les jeunes. Un reportage de sa fille. Bonjour JP, quel atelier proposez-vous ? Je propose l'atelier menuiserie. La menuiserie est un métier ou une passion ? C'est un métier qui m'est venu quand j'étais plus jeune et j'ai fait ça de mon métier. Voilà. Où se passe cet atelier ? À la maison de jeunes de Dorgue. Quand ? Le mercredi et le vendredi de 17h à 18h. Merci JP pour cette interview et bienvenue à la MJA. Merci Safi. Comme chaque année depuis 2002, la ville de Bruxelles organise les plaisirs d'hiver. Nous sommes d'accord qu'un marché de Noël se tenait à l'origine sur la Grand Place, mais au fil des ans, l'événement est devenu un grand circuit de découverte hivernal au cœur de Bruxelles. Avec des spectacles, sons et lumières, la patinoire et des animations aussi. En direct du Parlement européen à Bruxelles, notre envoyé spécial, Safi, est en compagnie. Désolée. Est en compagnie de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Bonjour Safi, est-ce que vous me recevez ? Oui Sarah, je vous reçois parfaitement. Bonjour. As-tu déjà mangé en secret la nourriture d'un de tes camarades de congrès ? J'ai piqué de dinde, je fais ça chaque Thanksgiving. Si tu gagnais 1 million d'euros, que ferais-tu avec ? Quelle est ta phobie la plus étrange ? Si tu ne pouvais manger qu'un seul plat dans toute ta vie, lequel serait-il ? Des gaufres belges. Pourquoi les crottes de pigeons sont-elles noires sur une voiture blanche, mais blanches sur une voiture noire ? Des millions d'Américains me posent toujours cette question, mais ça reste un mystère. Nous finissons ce journal par la météo du jour avec Maëva. Bonjour Maëva, quelles sont les bonnes nouvelles du temps pour nous en Belgique ? Bah écoute Sarah, de bonnes nouvelles du temps en Belgique, il n'y en a pas. Mais c'est l'été en plein de pays, donc n'hésitez pas à choisir un endroit comme par exemple la Martinique pour ses 30 degrés, à l'ombre bien entendu. Merci Maëva, c'est la fin de cette édition du JMJA. Nous nous retrouverons après les vacances pour de nouvelles informations. Excellente soirée à toutes et à tous, et bonne année !